Bon bah c'est parti pour la brocante de Bilizi, c'est parti. Jean, vous avez fait combien les jeux? 5 euros unité. Unité. Ok. Et après c'est tout ce que vous avez. Hein. C'est tout ce que vous avez après. Hein. Ouais. Si je mets comme ça, ça sera mieux. Les gens ils pourront voir facilement. Merci. Hein. Celui-là, tu fais à combien le... Pardon, moi désolé. Ok. Mon petit tour, je regarde. Hop, je remets comme c'était. Hop, merci. Hein. Vous vendez combien celui-là? C'est 8 euros, par contre, il n'y a pas la carte noire. Ouais. Vous ne voulez pas, monsieur hein? Vous voulez pas. Hein. Vous vendez combien celui-là? Les c'est les prix qui est marqué dessus. Hein. Oui, ça, oui, okay. Moi j'ai marqué tous les prix. Ah, okay, pour moi, tes prix que j'ai trouvé sur internet. Ok. Ça fait 9 là, il y a après 8 là. On est là, il y a que ça. Il y a que ça en PS3. PS3, oui. Vous avez quasiment vu la série en PS3. Non, j'ai une série, j'ai tous les jeux. Oh non. J'ai tous, non. Je vais mettre juste à droite, pas. Là, il n'y a pas de truc. Ah, oh, il a perdu les boîtes, c'est cassé. Et ça, c'est quoi? Le diviseur. Je sais pas si c'est une chose. Là, c'est... Là, PS3, je sais pas si vous l'avez. Celui-là, je sais pas. Celui-là, je l'ai, oui. C'est parti de haut. Je l'ai. Coralie, tu sais, les enfants, ils vont venir plus tard. Hein, ça va, là, le jeu PS4. Hop. Non, ah non, vous le mettez là, oui, d'accord. Okay. Parce que c'est okay, pas le même compte. Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord. Là, c'est moi. Je crois que c'était PS4 et puis PS3, d'accord. Non, non. Moi, j'ai cassé okay. Ma PS3, sinon j'aurais gardé. S'il ouais. Si, si, est pas là, on va garder l'argent en vie. Ok, bon, quand je fais mon tour, je réfléchis. Oui. Bonne journée. Bonjour, vous vendez combien les albums Pokémon? Ah. Les trois albums. Je regarde ce qu'il y a dedans avant. On voit des... Bon, vous inquiétez pas, je reviendrai. Hein. Ok. Bon, de toute façon, je reviendrai. Il n'y a pas de jeux vidéo par hasard, non? Non, les jeux vidéo, il n'y en a pas ici. Ok. Bonjour, vous les êtes combien les trois? Je sais pas, il va marquer les prix sur deux. Mmh. Ah ok, d'accord. Ça fait combien le tour? Ok, merci. Bon, à la limite, je vais vous prendre celui-là à 5. Je vais prendre ça.
touché à vous. Ouais. Matrix, ouais. Elle est belle, hein. Tous les films Matrix. Ah non, t'as vu. Oui, c'est ça, oui. Il y a les films et les... Et les... Ouais, les... Ouais, tout ça, là. Comment ça a été tourné, etc. Ok. Alors, on a les jeux, on sait jamais. Ok, on va les aider tous, déjà. Et c'est tout ce que vous avez en jeu maintenant. Ok. Merci, hein. Merci, jeu. D'accord. Il fait 4 euros avec la boîte et puis 3 euros si tu en as pas. D'accord, vous devez garder. Merci. Il y a ça. Je vais montrer en même temps à mon ami. Oups, tu vas pas rentrer. Ça. Ok. Je pense que je vais prendre ces deux-là. Plus les débourrés. Ça, ça m'intéressera pas. Je vais aimer là. Hop. Du coup, je vais prendre ces quatre-là. Ça. Je vais prendre ces quatre-là. Et 3, 6 et 3, 9 et 3, 10. Ça doit 10 euros pour tout. Un peu juste. Moi je prends 12 euros. 12 euros. Ça fait chier. Bonjour, c'est combien le jeu? Et c'est parti pour le compte rendu. Donc je suis allé une brocante, je me suis un peu éloigné de Paris, un petit peu, hein, pas très loin. Je suis allé dans le 77 dans les Yvelines, et du coup j'ai récupéré quand même des choses, malgré qu'il y ait quand même des ratisseurs là-bas, mais beaucoup moins que sur Paris, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Il y en avait beaucoup plus sur Paris. Donc on va commencer par, les Blu-ray, tiens, les Blu-ray. Du coup je récupère pour la somme de 2 euros, je récupère 2 Blu-ray Disney. Le Blu-ray réponse et le Blu-ray de Rebelle. Bon, malheureusement, le réponse, j'ai pas fait gaffe, mais il n'y a pas de numéro. Donc celui-là, il va partir à la revente ou à l'échange. Bon, peu importe. Bon, après, bon, vous savez, hein, je vais pas acheter des Blu-ray pas complets. Du coup, bah, ils sont complets. Autre Blu-ray que j'ai pris, c'est une quadrilogie. C'est la quadrilogie Die Hard. Il possède les 4 Die Hard. Vous voyez, le Die Hard Piège de Cristal, le 58 minutes pour vivre, le Une Journée en Enfer et le Die Hard 4. Après, je crois qu'il y en a encore 2-3 autres. Il me semble, je sais plus où ça en est. J'ai un petit peu laissé tomber à partir du. En fait, à partir du 3, Une Journée en Enfer, j'avoue que je suis pas. J'ai arrêté à partir de là. Après, d'ailleurs, 4, je suis pas fan. Hein. Ou je crois que c'est son fils, il me semble, un truc comme ça. Donc, j'ai payé ça 1 euro le Blu-ray, quadrilogie, de Die Hard. On va passer maintenant à deux mangas. C'est des mangas de la série Fly. Donc il y a le tome 1 et le tome 2, c'est édité par J'ai lu manga, ils sont en parfait état, ils étaient à 3 euros l'unité, je l'ai négocié à 5 euros les deux, donc du coup on l'utilise. Hein. Du coup il y a le tome 1 et le tome 2, par contre j'ai l'impression que celui-là il a été décoloré, hein, il me semble. En tout cas malgré tout ils sont en parfait état, malgré la légère décoloration sur le côté, moi, si je ne me trompe pas. Hein.
qui sont quand même en parfait état. Ils étaient sortis en 89, il me semble. C'est manga de Soulfly. Je crois qu'il y a une quarantaine de tomes. Je dis pas de conneries. Donc dites-moi en commentaire. Je récupère aussi un DVD d'un nanar. C'est Octopus 2. Donc ça, c'est un bon gros nanar. Ça se sent, se voit. Regardez-moi ça. C'est pas un nanar, ça. C'est sorti en 2001. Je ne connais pas, mais l'affiche m'a donné envie. Donc pour 1€, je récupère ce petit nanar de Octopus 2. Je récupère un magazine, et pas n'importe quel, puisque c'est un magazine de jeux vidéo. C'est assez rare d'en trouver en brocante. Hein. Moi, j'avoue que du côté de chez nous, c'est assez rare. Bon, j'en ai trouvé quand même, la console plus magazine, il n'y a pas très très longtemps. Il y a quelques mois de ça. Et là, je rentre cette fois-ci à PlayStation Magazine, numéro 39, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. C'était à 49 francs. Mais à 49 francs, vous aviez la démo en plus. Donc, vous voyez, ça valait le coup. Donc là, vous voyez ce qu'il y avait, là, ici, là. Donc, en jouable, on avait le Fighting Force 2, le Toy Story 2, le Space Debris, le Eagle Attack Arrière. Non, le Eagle One Arrière Attack. Je dis à l'envers. La musique 2000. Et après, en vidéo, c'était Medieval 2 et Team Buddies. Et regardez, vous voyez la date. Février 2000, numéro 39, qui dit février 2000 dit Resident Evil 3 Nemesis. Donc vous voyez, rien que ça, moi, ça m'a fait kiffer. Hein. Comme par hasard, je tombe sur un truc à Antéville. Donc du coup, à l'intérieur, forcément, bah, s'il y a ça, bah, il y a forcément un article sur Resident Evil. Donc on a tout un article sur Resident Evil 3 Nemesis qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en fait, mars. Mars 2000, je crois que c'est ça, il me semble. C'est pas marqué dessus. Je crois que c'est marqué. Ouais, disponible mars 2000. Oui, c'est ça. Oui, ben, février 2000. Oui, ben, c'est ça. Un mois après. Parce que je rappelle, je l'avais acheté le jour de sa sortie. Je vais acheter Resident Evil 1 le jour de sa sortie. Resident Evil 2 le jour de sa sortie. Le 3. J'ai tout acheté le jour de la sortie au niveau des Resident Evil. Hein. Ça, et Silent Hill aussi, au début. Après, j'ai un petit peu arrêté d'acheter le jour de la sortie. Donc j'ai payé ce magazine 1€, hein. Il y a plein de petits articles intéressants, donc soit sorti de la PlayStation, sur Final Fantasy je crois, c'est ça, il me semble que c'est Final Fantasy, je sais pas, je vois pas là, hop, il y a encore un Devil. Bon, il y a plein de petits trucs hein, à voir, donc c'est numéro 49 et je l'ai payé 1€. Je récupère un lot de 3 jeux Xbox 360, vous avez pu voir en vidéo, donc il y a le Metal Gear, The Phantom Pain. Donc ça partira à l'échange là, hein, parce que moi je les ai déjà sur la Play 3. Du coup je récupère ce petit Metal Gear, The Phantom Pain, pour la somme de 2€, je ne dis pas de bêtises. Je récupère aussi le Amazing Spider-Man 2 et le 1 aussi. Malheureusement, alors je pense pas que, je sais pas s'ils ont fait la notice, mais il n'y a pas de notice dedans. Malheureusement il n'y a pas de notice, donc... Mais en tout cas, pour 2€, donc ça fait 2, 4... Non, qu'est-ce que je dis ? Moins de 2€, parce que j'avais payé le lot à 5€. Donc ça fait moins de 2€ le jeu. Donc je récupère ces 3 jeux Xbox 360. Sur un autre stand, je récupère pour la somme de 4€ le jeu Star Wars Night on the Old Republic. Ça, c'est le numéro 2. Donc il est en parfait état. Hop. Et il est complet. Et surtout, il est en français. Regarde-moi ça. Alors normalement je crois que ça se joue en ligne, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si je dis pas de bêtises, il me semble que ça se jouait en ligne. Je sais plus. Non, ça se joue pas en ligne, il n'y a pas le petit logo. Donc je rentre ça pour 4€. Pour 5€, je récupère un jeu PS4. Et je le vois souvent, mais je n'ai jamais joué, donc je ne connais pas. Ça doit être dans la lignée des Spyro, c'est le Yooka-Laylee. Je sais pas si je le prononce bien. C'est un jeu à la Spyro. Bah, je vous mets un extrait du jeu. Allez, un extrait, c'est parti. Yeah.
vous avez pu voir l'extrait du jeu. Avant que ça fera l'objet, bien sûr, d'un let's play sur la PS4, bon, sur la PS5 du coup. Donc il est complet, puisqu'il n'y a pas de notice sur les jeux PS4, comme vous le savez, même sur les jeux Xbox, il n'y a plus de notice. Donc du coup, pour faire des économies, hein, j'imagine. Du coup, ça fera l'objet d'un let's play. Je l'ai payé 5€, Yokaili. Vous verrez bientôt. Et on va commencer par Underworld, The Eternal Wars. Voilà, alors je ne connais pas, par contre la boîte c'est pas la boîte officielle, hein, ça a changé. Hein. Je trouverais bien un petit FIFA quelque part qui doit traîner chez moi pour échanger la boîte, parce que là ça fait vraiment dégueulasse, j'avoue que ça fait dégueulasse, ça fait DVD. Si vous regardez un petit peu comme ça, on dirait un DVD. Hein. D'ailleurs au début j'ai cru que c'était un DVD. Du coup le jeu est en français, il est complet, sauf que la boîte c'est pas la bonne. Donc c'est tiré d'un film, c'est fait par Playit, et c'est numéro 52109. Je récupère aussi dans ce lot, on va faire celui-là, hop, le Dead or Alive 2. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rentré, ouais, c'est, je crois que c'est la semaine dernière, j'avais rentré le Dead or Alive 4, si je dis pas de bêtises, ouais, ça. Non, c'est, ah non, c'est Soul Calibur, pardon, je confonds. C'est Soul Calibur 4, j'ai une connerie. Donc là, du coup, je rentre le Dead or Alive 2, malheureusement, pas complet, comme le pain, mais au moins, la boîte, c'est bien lavé. C'est numéro 50003, pardon. J'ai oublié un zéro. Là, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant au niveau des titres. Et là, on va commencer avec des jeux plus intéressants. Alors, si je vous montre juste ça, vous me dites « Oh, putain, c'est un RPG !» Et là, si je vous retire la main, bah, vous me dites « Ah, finalement, non, parce qu'il y a le mot « Puzzle ».« Puzzle Quest ».« Puzzle Quest Challenge of Warlord ». C'est ça ? Warlord. Donc, bah non, c'est un, pas un RPG, c'est un puzzle game, comme vous pouvez le voir sur les images. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un extrait du jeu. Vous avez pu voir l'extrait du jeu Puzzle Quest et la fille me fait penser à quelqu'un. J'ai 5 secondes pour me dire à qui. Voilà. Du coup, je l'ai eu dans ce lot et là maintenant on va passer à une chose plus intéressante. C'est le Shonen Jumps One Piece Grand Adventure. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors c'est assez rare, j'ai jamais vu celui-là. Donc il est complet comme le pain. Et du coup, ben, vous savez ce que c'est, hein, je vous présente plus les jeux One Piece. Hein. Là, ça reprend, je crois que ça reprend plusieurs aventures dans One Piece, il me semble, hein, c'est ça. Créer votre propre équipage, tout ça, bon. A voir, peut-être en let's play, peut-être on le fera. C'est le numéro 54165, et j'ai oublié de vous le dire pour celui de Puzzle Quest, c'est le numéro 54995. Et le dernier de ce lot, c'est... Les chevaliers du zodiaque Hadès. Voilà, c'est le chevalier du zodiaque Hadès. Il est temps d'éveiller votre 8e sens, c'est écrit dessus. Bon, il est en français. Alors, tous les jeux, de toute façon, là, ils sont en français, hein, au niveau de la boîte. Hein. Par contre, oui, il n'y a pas la notice. Je regarderai peut-être que j'ai. Parce que comme j'ai des Senseiya, je me dis peut-être que. Peut-être que je l'ai quelque part, je sais pas. Bon, en tout cas, je l'ai récupéré au cas où, hein, parce que je ne me rappelle plus du tout. Après, je marque sur mon application Wano Collector pour savoir où. Si je les ai, hein, parce que moi je prends, mais je fais même plus gaffe si je les ai en double. Donc il y a quand même marqué 14 francs. Hein. Je crois que c'était l'esprit. Ouais, c'est les prix Micromania ça. 14 francs. Ouais, 14 euros, que je te dis. Ça, je suis remonté dans le temps là. 14 francs. Je suis allé loin dans le temps là, par contre. Là. Du coup, bah, je récupérais tout ce lot de jeux PS2 pour la somme de 10 euros. Attendez, j'ai mis un endroit, oui, c'est ça. J'ai récupéré ça pour 10 euros. Ah, il le voulait 15. J'ai dit non, je ne mettrai pas plus de 10 euros. Il a accepté au bout d'un moment, il a craqué, il n'y a pas eu le choix. J'ai mis le couteau sur la gorge, non je déconne.
Et là, on va passer à des choses plus intéressantes, encore plus intéressantes que ce que vous venez de voir. Hein. Et oui, ça existe. Et bien, je récupère un jeu DS. C'est le Pokémon Rangers. Donc, Pokémon Rangers, je ne vous le présente pas. Vous savez ce que c'est, hein, Pokémon. Je pense que tout le monde est au courant. Il est complet. Hop, la petite cartouche et la petite notice. Donc, du coup, celui-là et le deuxième. C'était dans un lot. Le deuxième, c'est encore un Pokémon, c'est le Pokémon Rumble World. World, sans S. Le Pokémon Rumble World, pareil, ah, il y a marqué 1990, j'ai oublié de tirer l'étiquette. Du coup, ils sont en français, les deux, hein, c'est ça? Oui, ils sont français, tous les deux. Enfin, celui-là, il est en multilangue. Et celui-là, il est entièrement en français. Donc ça, c'est bien. Et il est, bien sûr, complet, comme le pain. Donc j'ai payé ces deux jeux pour la somme de 8 euros. Donc c'est plus que acceptable pour des jeux Pokémon, parce qu'aujourd'hui trouver des jeux Pokémon à ce prix-là, à 4 euros l'unité, ça fait 8 euros tout quoi, à 4 euros, j'ai eu, c'est rare. Encore une autre cartouche Pokémon, et c'est le Pokémon Y. Alors celui-là, je l'avais, je sais plus si c'était le X ou le Y que j'avais. Bon, du coup, je l'ai pris, hein, de toute façon, pour la somme de 5 euros, ça se prend, le Pokémon Y. Français, si je peux donner, oui, j'ai même pas fait gaffe. Il était en français et il est complet. Oui, il est complet. Il est complet. Et on arrive pratiquement à la fin, puisqu'il me reste plus que deux choses. Et là, ça devient de plus en plus intéressant. Hein. On est passé de moyennement intéressant à vraiment intéressant à très très intéressant. Donc, du coup, je récupère en parfait état le Daytona USA sur Sega Saturn. Donc en multilangue, vous voyez, il y a l'italien, le français, l'anglais, l'allemand, Artung-Nartung et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, il est complet. Alors attention, la petite, elle va sans doute se casser la gueule parce que c'est un peu mal foutu les jeux Saturn. Voilà, hop, voilà comment c'est fait les jeux Saturn à l'intérieur. Donc on a le Daytona USA, vous voyez, la notice qui se casse à la tronche. Et on a la notice qui est, vous voyez comment c'est fait. Hop, c'est fait à l'envers. Donc voilà, il y a le CD qui est un petit peu rayé quand même. Bon, il faudra le refaire pour passer celui-là. Et on a la notice. Donc je l'ai récupéré, ouais, j'avoue, il n'a pas voulu négocier le mec, hein, mais vraiment pas. Hein. Mais franchement, moi, je sature, et puis Daytona USA pour ceux que connu avec la musique mythique. Gentlemen, start your engines. Et voilà, c'était le Daytona USA avec sa musique mythique. Donc du coup, j'ai payé ce jeu 10 euros, même pas voulu négocier 1 euro le mec. Et franchement, c'est un vide-grenier, hein. C'est pas un vide tes poches. Hein. Du coup, le dernier jeu que je récupère, vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est le Zelda Triforce Heroes. Je crois que c'est Heroes avec un sur pluriel. Donc c'est le Zelda Triforce Heroes, il est complet comme le pain, hop. Ah, oui, il est complet, oui, parce que j'avais plus de notice. Je crois qu'à la fin de la 3DS, il n'y avait plus de notice. Donc, je ne l'avais pas dans la collection, celui-là. Je crois que j'ai quasiment, sur la 3DS, je dois avoir tous les Zelda. Je ne dis pas de bêtises. J'ai tous les Zelda, et du coup, celui-là est dans la collection. Et du coup, comme vous avez pu voir sur l'étiquette, il y avait marqué 15 euros. Mais j'ai même pas eu besoin de négocier, parce que je réfléchissais. Je voulais prendre, parce qu'il y avait un lot de jeux PS4, c'est un gamin. J'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit qu'il a négocié tout seul, donc je l'ai eu pour 10 euros. Donc 10 euros ça se prend, hein, Zelda. Donc je vous l'avais fait montrer, il est complet. Il est en français. Et ça, malheureusement, je pourrais pas vous le faire en let's play parce que j'ai pas d'appareil qui permet de, comment dire, de faire des let's play à partir de la DS. Après, je peux le faire sur émulateur, mais ça n'a aucun intérêt sur émulateur. Franchement, c'est pas intéressant. Ou alors je suis obligé de filmer ma console, et c'est pas ouf non plus. Donc voilà, ce Triforce Heroes rentre dans la collection. Les jeux 3DS. Et voilà, c'est fini pour ce compte rendu de Vinic Gorny. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao!